YouTube, bonjour à vous. Dernière vidéo du Let's Play Mario Galaxy. Bien sûr, on fera tout ce qui est bonus, on le fera plus tard, mais là, on fait la fin du mode histoire, quoi. Parce que, voilà, on en a un peu marre. Donc, le but, c'est de finir le jeu, quoi. J'aime bien le « je suis un connard ». Quoi? Ah oui, non, mais... ça, je le dis souvent, ça. De toute façon, c'est le cas, de toute façon, je ne l'ai jamais caché, hein. Qu'on soit franc et honnête. Vers l'infini et au-delà! Bowser, on vient te chercher! On veut ta peau! J'ai avec moi une femme, plein d'étoiles, mon frère, des champignons et moi. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un ovni, j'avais oublié ce délire. Là, on partait un peu moins dans le côté Mario. L'intérieur du château est relié à une autre dimension. Ils sont par là, hâte-toi. Ok, ok. J'y vais tout seul, du coup? Je me fais vraiment... Ok, ok. Par contre, l'intérieur du château est une autre dimension, c'est vraiment un monde à part. C'est vrai, en plus. Allez. Qui détient la clé du dessin de l'univers? Mario, bien évidemment. Je vous préviens, ça va aller très très vite. Hein. Vous avez... clignez pas des yeux, quoi. Faut pas que j'aille dedans. Si, si, au contraire, faut que j'aille dedans, ouais. Ok, ok. J'arrive pas à la voir. Attendez. Tous les jours, je l'ai. Hein. Pro, c'est encore plus facile que les autres, là, non? Là, pour être honnête, hein. J'ai jamais dit que c'était facile, voyons, arrêtez vos conneries. Mais attendez, mais c'est quoi cette merde là par contre? Arrêtez. Dès que tu prouves, tu te fais... Non mais attendez, mais là ça aime pas me faire avoir, enfin c'est vraiment de la merde ce jeu. Le boss, non mais le boss c'est très facile. Le boss t'as pas des petits trucs qui t'ôtent la gueule, là il y a plein de trucs auxquels faire attention et tout, c'est... Sinon c'est plus compliqué que le boss pour te dire que le boss c'est facile justement. Voilà, allez, j'ai pas le temps pour vos conneries. Voyons mes frérots, une fois que je connais, je connais. Je suis sur la plateforme là, hein. Faut que je fasse quoi? Faut que j'aille là-dessus sans crever, c'est ça? Bah bon courage à vous. On n'est pas ensemble, hein. Petit boost de vitesse, là. C'est quoi cette merde? Oh putain. C'est bon, je l'ai, la pièce, la pièce, la pièce, la pièce! Ah non, mais les trous... Non, mais... non, non, excuse, non, mais... Ah! Oh merde, c'est... Faut aller vite, faut aller vite.
C'est Fall Guys ça? Si, c'est Fall Guys, je reconnais les amis. Wow, on arrête nos conneries. On y va. Faut que j'aille où, vous pensez? Ah, bah d'accord. C'est pas si mauvais de réfléchir, vous savez. Franchement, je vous le conseille de temps en temps. Par contre, je suis un pur boss. Hein. Laissez-moi me vanter de temps en temps quand je peux, quand même. Faut faire quoi là? J'ai pas... Voilà pourquoi j'ai pas confiance. Ah non, c'est la suite. Ok, c'est la suite. On est clairement en train de me faire comprendre qu'il faut que j'avance. Hein. Quand tu te vantes, tu meurs. Non mais... Non, justement. Il faut que je trouve un moyen de me vanter sans mourir. Il faut que je sois très safe. Okay. Ça a l'air facile. Ça a l'air facile, d'accord. Ok, ça ne l'est pas. Ça n'est pas! Allez! Va niquer ton jeu de merde là! Merde! Avance! Ok. On va pas grid le point de vie. Oh putain! Oh là là! L'étoile elle est là-bas, hein, l'étoile. Vous la voyez avec moi. Putain, reste sur l'étoile, reste sur la pièce. Ah putain. Non, tu te fous de... Là, t'as troll, Mario. Pas mérité. Pas très bien mérité, mais c'est gagné. On se casse. On a eu... Merde, attendez, il y a le ventilo qui est tombé, premier degré. Ah, sous le coup de l'émotion, il s'est dit, waouh, Loki, il est fort, et du coup... Attends, ok. Ah, le gosse, justement. Eh bien, qu'est-ce que tu cherches? La princesse Peach est ici. Je sais pas de quoi, je sais que pour Peach, mon pote, je vais venir te péter le fion. On avait vu les deux champignons, faut qu'on prenne les deux. Et on va prendre, il y avait un monde où je ratais l'étoile et tu mourrais. Celui-là, Eden, et l'autre c'est la vie. La vie, on va la prendre aussi. Bon, trop risqué la vie. Trop risqué la vie! J'ai bien fait de pas la prendre, je crois. Toute la famille devant moi. L'heure est enfin venue. Il est temps de mettre la touche finale à la grande planète impériale qui sera le cœur de mon nouvel empire. Ouvre bien grand tes yeux! Oh, il a le masque sur sa bouche! C'est tellement rare. Autour de cette étoile. Peach, je vais bâtir notre grand empire galactique millénaire. Et tel un nouveau Big Bang, mon empire s'étendra bientôt dans tout l'univers. Mais avant cela, Mario, je vais te faire disparaître, une bonne fois pour toutes. Encore ton niveau de merde, là? Ah, pas vraiment le même, par contre, là. C'est quoi le pattern? Enfin, le pattern, je l'ai, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, tu vas bondir sur les plantes qui te piquent? Là, ça pique. Tu vas me défoncer la gueule, là. Attends, mais comment je pouvais l'éviter, en vrai? Je comprends pas comment je... Attendez, après, ça recommence, là. Comment je suis censé éviter ce truc de à la con, là? Il est beaucoup plus rapide que moi. C'est un fait. Attendez, je vois pas comment je vais faire, par contre. J'ai pas le pattern, là. Ça devient compliqué. Là, c'est le moment où je... Doucement partir en PLS. D'accord, ok. J'ai pas le pat... Faut que je tape quand il est là? Enfin, quand c'est censé lui?
Ah ouais, un truc... Ouais, c'est chaud, en vrai. C'est vachement chaud de trouver le bon moment pour le taper. Mais c'est quoi ce niveau de... Non mais attendez. C'est faisable? Attendez, comment c'est faisable, en vrai? Roll, roll, Bowser. Ah merde, c'est pas infini, c'est pas infini! Ah, oh, je l'avais! C'est vraiment chaud en vrai. Alors là, premier degré, je sais pas si je vais l'avoir. Hein. Tourne en rond, hein, c'est la technique. Hein. Ok, ok, ok. On recommence? Ah, c'est plus facile là par contre avec les trucs verts en vrai. Oh merde. Ah. Bon, frérot, c'est très facile par contre celui-là. Non, en vrai, c'est beaucoup plus facile que tout à l'heure, ça par contre. Juste les trucs bleus, voilà, éviter. Ensuite, tu fais ça. Beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Bon là par contre vraiment, soyons honnêtes hein. Les plantes vertes étaient beaucoup plus easy que ce qu'on vient de faire juste avant. Ah voilà, ça je connais. Attends, je bouge pas de là, vas-y saute-moi dessus. Ah non, tu ne sautes pas dessus. Là je te vois arriver à des milliers de kilomètres quoi. Ah. Alors on a mal à la queue Bowser? Cause de pitch hein. On est totalement volontaire. On va lui laver le cul. Hein. Pourquoi je suis si proche de lui par contre c'était... J'étais pas là quand il avait fini son truc. Hein. Oh putain. Ok. 1, 2, 3. Après il devient une pique. Oh il y en a plusieurs. On le traverse, on le traverse, on le traverse. On est invulnérable. Oh putain. Ouais, on est invulnérable vite fait quoi. Saute-moi dessus. Faut aller chercher un peu. Oh j'ai loupé. Je suis un connard si je l'ai loupé, hein, vous savez. Mais non mais... Je suis un connard. C'est pas du tout mérité ce qui vient de se passer. Bowser bébé, non mais non, oh merde. J'ai le bug des commandes. Oh non c'est bon, ça va mieux. C'est un meurtre. Hein. Wouah, c'est fini. GG à tous. En 1h17, on a fini le stream sur du Pokémon. GG à tous. Allez. On n'a plus qu'une vie. Par contre, moi, c'était un prank, hein. C'est comment je pensais qu'il revenait Bowser là, on a fini? Ok, alors... Je pensais vraiment qu'il revenait. J'étais parti en mode, ouais on nous apprend, ok, en fait non pas du tout. Non mais... Excusez-moi, c'est vraiment la fin du jeu ça?
souviens d'un buzzer géant sur lequel on envoyait des planètes à la gueule directement pour le battre. Pas vraiment ce à quoi je pensais, quoi. C'est très facile, le 1, en fait. Ah, peut-être. Vous pensez? Je sais pas. Non, j'en sais rien. J'aimerais y croire. Allez, on va y péter la gueule. Ah, s'il nous fait une jeune garette. Genre il revient puis il tombe dans la lave, fin du jeu. Ma galaxie, mon univers, il s'effondre. Totalement. Ah c'est fini? J'arrive pas à comprendre là. Le jeu est terminé ou pas? Où est mon observatoire? Ah, il y a là, mon observatoire. Ah oui, d'accord. C'est carrément le trou noir, quoi. Et le gosse, du coup, il est resté... Bowser Junior, il est vraiment resté en mode... c'est pas grave, on va rien faire. J'ai toujours su que Mario était dangereux. Bowser et Eliro. C'est fini là? J'ai rien compris. Moi je me souviens du boss final, c'était Bowser en géant, sur lequel on envoyait des foutues planètes une par une. De nouveaux bébés étoiles sont nés. Un jour, ils formeront sûrement une nouvelle galaxie. Lorsqu'une étoile s'éteint, elle se brise et vole en éclats. Puis, lorsque ceux-ci s'amassent, ils forment une nouvelle étoile. Et le cycle de la vie recommence. C'est presque émouvant. Cependant, ce n'est jamais tout à fait la même étoile. Et ainsi... Donc là en gros il m'a fallu 1h30 pour finir le jeu. Très bien. On était loin des 3 heures que je pensais. Ça va. Et ainsi tu rêvais depuis le début Mario. Et oui. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un jeu pour enfants, faut qu'on apprenne une chose aux enfants. Aux enfants, on apprend la loi de la thermodynamique. Ce qui a permis Effie et Simon de se sauver dans la première saison d'Agent Shield, d'ailleurs, quand ils étaient sous l'eau. Enfin bon. Pas du tout un fan hardcore pour me souvenir de ça. Excusez-moi, il y a un bateau de méchant là. Oui, mais ça, c'est un bateau de méchant ça. Ah d'accord, ils sont avec nous à la fête. C'est cool, c'est cool. C'est cool, on fait la fête avec les monstres qui ont essayé de nous tuer. Waouh. Il y a même Bowser qui est avec nous. Tu viens à la fête, Bowser? On s'en fout que tu essayes de me tuer. Trop bien, toujours avec la veste. La loi de Loki. Peach, elle est blonde. C'est comme Bobby Morse. Enfin bon... Voyons, tout le monde le sait, ça. C'est
la mémoire des éclats. Ah ouais, du coup, enfin, je vous empêche de lire avec mon chef-d'œuvre. Est-ce que mon chef-d'œuvre n'est pas plus important que ce putain d'histoire, quoi? Ta gueule, Mario. Allez, premier degré, il y a une nouvelle galaxie, des nouveaux jeux là. Non mais allez vous faire foutre. Non mais là, non. GG à tous. On peut passer ça? Non? Bah vous allez vous les taper avec moi. Donc il est brun comme Hitler. Ah le connard. Bien placé, bien placé. Bon bah du coup, Mario Galaxy c'est finito. Hein, c'est-à-dire que là on n'en parlera plus jamais de ce jeu. Enfin on en reparlera. En fait voilà, on verra comment ça va se passer. C'est qu'il y a Ok, bon. Ce que je vous propose, c'est juste de voir s'il n'y a pas un autre truc qu'on rentre. Comme ça, si jamais je joue off-stream, ben, ce sera pas gênant. T'as chopé un shiny? Ah non, sinon ça, tu l'aurais vu sur... tu l'aurais vu sur Discord. Discord, j'aurais mis un message, est-ce que vous acceptez ou pas. Là, je fais un vote pour ça. Sois le bienvenu. Je savais que tu reviendrais. Regarde à tes pieds. 57? Ce nombre indique la puissance stellaire nécessaire pour se rendre dans l'autre monde. On l'a pas fini le jeu, hein. L'autre monde. C'est un monde où tu rencontreras un autre toi, qui n'est pas vraiment toi. On finira le jeu à 100% à un moment donné, je vous le promets, on ira aller chercher les 57 étoiles, bien sûr. Ce que je vous propose pour l'instant, c'est de... Si c'est à 5 secondes, le temps d'allumer Pokémon, de changer le titre. A tout de suite, reposez-vous bien, et à tout de suite. Here we go!